Eh bien, salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite voilà, de ma carrière avec l'Olympique de Marseille. Comme vous l'attendiez tous, voilà les amis, nous avons fini le mercato. Donc par contre les gars, sur Snapchat, je vous avais dit que je ferais 5 matchs, mais malheureusement ça va pas être possible. Contrainte de temps, je vais en faire que 3 comme d'habitude. D'ailleurs les gars, vous pouvez tout simplement nous suivre sur Snapchat, voilà. Le Snapchat donc s'affiche à l'écran, vous n'avez qu'à snapper le code ou à prendre quelques secondes pour nous ajouter, pour discuter un petit peu tout ça. En attendant les gars, j'ai fait le mercato de mon côté, donc je vais vous montrer un petit peu qui est-ce qu'on a recruté. Donc on a recruté les gars Nianion, voilà le jeune défenseur du Stade Rennais, ainsi que Azoro, voilà une jeune pépite suédoise qui était à Manchester United. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu ses statistiques après. Nkunku du PSG, que vous connaissez sûrement un petit peu plus que Azoro, qui voilà est doté d'un énorme potentiel. Et j'ai vendu donc Baptiste Alloué, qui avait déjà 24 ans et qui avait 70 de général. Et à Sané, voilà, donc je me rappelle plus son prénom, mais voilà. Deux joueurs qui vraiment n'avaient pas leur place dans le projet. Je vais aller donc vous montrer les nouveaux joueurs. Voilà, ils sont dans l'équipe réserve pour l'instant, parce qu'ils sont très jeunes. Donc Nkunku, voilà, assez rapide, voilà, et qui est assez complet, qui a de bons dribbles, une bonne conduite de balle, des bonnes passes courtes aussi, qui a une bonne stat plutôt de tacle debout. Et qui a les 3 étoiles, voilà, il a forte et forte en contribution, donc ça peut être un très bon milieu de terrain. Azoro, voilà donc 19 ans à peine, donc les 2-3 étoiles. 80 en dribble, 72 en finition, 71 en puissance de tir, donc voilà assez agile devant le but pour un jeune de 19 ans. Ainsi que 94 d'accélération et 87 de vitesse, il est aussi agile, donc ça c'est important les gars, l'agilité. Donc franchement, il a tout pour devenir un grand. Et donc voilà le petit Nianion qui est sur le banc des remplaçants, parce que voilà, face à Rodriguez et Sparagna, il fait pas vraiment le poids. Mais voilà, ça peut être un très bon remplaçant pour l'équipe réserve, et voilà, je pense qu'il en fallait un à cause du départ d'Aloé. Du coup, les gars, on a le match face à Caen. Donc, honnêtement, je savais pas trop si je mettais Batshuayi ou André Silva. J'ai bien envie de mettre André Silva, les gars. Donc, je vais aller le mettre à partir de l'autre équipe. Enfin, voilà, du jouer match. Donc, je vais le mettre dans l'équipe. Les gars, tout simplement, André Silva, j'espère qu'il sera capable de faire des bonnes choses. On voit notre capitaine Mehdi Benatia. Du coup, les gars, je vais mettre André Silva. Voilà, on va voir un petit peu s'il sera capable de marquer ou pas. Et on se retrouve donc directement pour les meilleurs moments du match face à Caen. Et c'est parti, voilà les gars, donc pour ce match face à Caen, donc le ballon leur a été laissé au coup d'envoi. Après les gars, ce sera à nous, dès qu'on aura mis le pied dessus, à bien l'utiliser. Parce qu'on sait, voilà les gars, que ce match, ça peut être un match piège. Donc vraiment, faut vite se mettre dans le match, les gars, pour essayer de récupérer un maximum de ballons. Et vite filer au but, d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Tolisso, qui malheureusement n'a pas réussi à passer à la défense caennaise. Ah oh, putain, dommage. Putain dommage les gars, André Silva qui a pas eu la jambe assez longue pour mettre le pied sur le ballon. Par contre derrière Benatia qui a fait une superbe interception. Allez Shaqiri. Shaqiri les gars, là c'est le talent qui doit parler face au but. Shaqiri, Shaqiri, Shaqiri qui contourne, Shaqiri encore qu'on va tenter. Putain. Je voulais être altruiste les gars, faire la bonne passe sur Depay. Malheureusement il a mis un petit peu de temps à venir se placer, l'ancien mancunien. Allez Depay. La frappe lourde de Depay qui rebondit. Et c'est encore pour Oziakoupe. Oziakoupe. Oziakoupe, le Turc qui s'avance, qui a bien vu Manquillo, Isco, la frappe de Isco, c'est pas fini, André Silva, et ouais, c'est fini, enfin les gars, il y a corner du moindre, ça laisse le temps de respirer un peu, allez les gars, le corner vers André Silva, malheureusement il n'a pas réussi à reprendre le ballon, et derrière Isco qui se fait tacler, on va essayer quand même de vite écarter le danger, voilà, on va passer par là, Acerbi, le centre, il y a du monde à la tête malheureusement. Pas de Marseillais, du coup, nouveau corner, les gars. On va essayer cette fois-ci de mieux le placer. Allez, il y a Shaqiri qui est un petit peu petit. Et malheureusement, il a mis la tête, mais c'est pas rentré. Allez, attention. Attention, le centre. Le buteur de Caen, je le connais pas, les gars. Il a un nom. Je crois que c'est un Coréen. Attention, c'est pas. C'est, putain, c'est pas important, moi. Qu'est-ce que je me concentre sur le nom du buteur caennais, quoi. Et carrément, j'oublie de défendre. Allez, Memphis. Memphis qui a bien vu Isco. Isco, lui, qui a bien vu Oziakoupe. Oh, putain, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, Isco. Isco, voilà, qui ressort bien. André Silva, lui aussi, vers Tolisso. Allez, Tolisso. Tolisso, Depay. Depay vers Shaqiri. Shaqiri. Shaqiri face au gardien. Et Shaqiri, quelle frappe. Putain, super puissante. Et magnifique but derrière. Bien joué. Voilà, les gars, pour le Suisse qui nouait son but. Franchement, les gars, il peut être fier de lui. Il peut être fier de lui, Shaqiri, qui se laisse tomber carrément. Bien joué. Bien joué, les gars. J'allais dire belle action, franchement. Ça fait plaisir, voilà les gars, de voir des mouvements collectifs comme ça. On va regarder l'action. Depay, voilà, qui est présent. Donc voilà, qui trouve Shaqiri dans la profondeur et derrière Shaqiri qui allume. Et donc voilà, ça fait 1-0 pour nous. Il y a faute, là il y a faute, là il y a faute. Merci. Merci, donc on a le coup franc. Les gars, donc évidemment, je vais le tenter.
Je sais pas trop avec qui. On est pas, parce qu'il y a, un joueur qui a des bonnes stats sur coup franc. C'est Osiakoup, voilà. Bon, après, je vous cache pas que Depay, il a des bien meilleures stats. Hein, donc, je pense que j'ai plutôt tiré avec, avec le petit Memphis Depay. Je sais pas si je l'enroule ou si je le frappe en force, là. Honnêtement, je pense qu'il faut peut-être que je le frappe en force. D'ailleurs, je vais le tenter en force. Et ça, putain, ça a failli, hein. Ça a failli, les gars. Voilà, c'était au ras du sol. Le gardien s'est bien couché dessus. Allez, derrière, il y a le corner. Et ce sera. Putain, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, André Silva. André Silva, il y a faute. Il y a faute et il y a pénalty. Pénalty, voilà, les gars. Donc, le coup franc qui a mené à un corner, qui a mené à un pénalty. Donc, évidemment, les gars, on va essayer donc de le transformer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tirer André Silva, Shaqiri, je sais pas. Je sais pas trop. Je vais faire tirer André Silva, les gars. Je vais pas me prendre la tête. Allez, en force là-bas. Et c'est rentre. Ça rentre, les gars. Le gardien la touche, mais ça rentre. Ça fait 2-0. 2-0 pour l'OM, voilà, grâce à ce but du Turc Osiakoup. Arrête de siffler faute, arrête de siffler faute, putain, mon frère. Sérieusement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin, j'essaierai de mettre le tacle en zoom, voir s'il y a vraiment faute. Et après, s'il y a vraiment faute, les gars, j'assume. Hein. Mais voilà, de la vitesse réelle, je pense pas qu'il y ait faute. Donc voilà, bon, heureusement, le coup franc n'a rien donné. Allez, Shaqiri. Shaqiri qui a bien vu Silva. Silva qui revient sur ses appuis, qui retrouve bien Shaqiri. Shaqiri qui retrouve Isco. Non, c'est dommage, parce que je pense que c'était au fond, les gars. Après, le défenseur Kane a fait un superbe joli geste, donc bien joué à lui. Attention à pas trop se jeter quand même derrière, sinon on risque de se la prendre violemment. Allez, Silva. Silva. Osiakoup, il est blessé. Osiakoup, il est carrément blessé. J'avais pas vu qu'il était blessé, en fait. Au point de pas trop réussir à courir, je vais peut-être le changer, les gars, si c'est grave, parce que j'ai pas envie de le perdre pour pas mal de mois. Gabenatia, comme d'habitude, qui est super propre. Osiakoup qui est pas blessé, mais par contre, il y a de la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue, les gars, au milieu de terrain, notamment. Donc, je vais sortir Isco, je vais faire rentrer Cabella. Et je vais aussi faire rentrer Yaya Touré, du coup, à la place de Osiakoup. Voilà, même s'il n'est pas blessé, comme ça le fait un petit peu souffler. Allez, Tolisso. Tolisso qui a bien vu Depay. Depay. La frappe de Depay. Non, c'est repoussé. André Silva et le but. But d'André Silva, voilà, qui franchement, bah, il fait plaisir. Il fait plaisir, les gars, le André Silva, même si là, il bouscule tous ses collègues pour aller célébrer. Franchement, ça montre que voilà, il a l'envie. Il est présent en mode renard des surfaces. Il est là pour mettre le pied. C'est ce que je demande à un buteur. C'est ce que Michy Batshuayi a du mal à faire depuis quelques semaines. Là, André Silva, bah, il met son but. Franchement, ça fait super plaisir. Et voilà les gars, donc franchement, je vais faire un petit changement pour la fin de match parce que j'ai pas envie que mes joueurs s'épuisent. Je vais faire rentrer Adam Ounas à la place de Shaqiri qui a fait un gros match, qui a beaucoup couru. Ou à la place de, voilà, de Shaqiri. Shaqiri, il a énormément couru les gars, donc voilà. On va le faire souffler un petit peu, on va finir la fin du match tranquillement. Voilà les gars, fin du match, donc victoire 3-0 face à Caen. Grâce à Shaqiri, Osiakoup ainsi que André Silva dans les derniers instants du match. Donc comme vous le voyez les gars, on a vraiment dominé. Les Canets. Après le match Sheriff, c'est une autre histoire parce que c'est face à Paris. Donc vraiment, Caen, ils ont une belle équipe, on va pas se mentir. Mais Paris, c'est quand même un autre niveau que Caen. Du coup, les gars, on va aller tranquillement bah, faire les entraînements. Donc, par contre, je vais le faire devant vous, les gars. Je vais changer quelques trucs. Donc, Mameiri, je vais les faire travailler la vitesse, les gars. Parce qu'honnêtement, en tacle, ça va, mais en vitesse, faut qu'ils progressent un petit peu. Donc, je sais pas où c'est la vitesse, par contre. On peut pas faire travailler la vitesse à un joueur. C'est étrange, ça. Je sais pas où c'est par contre les gars à la vitesse. Faut qu'il travaille les centres aussi. Faut qu'il travaille les centres un petit peu les gars. C'est un défenseur de couloir. Donc je vais lui faire travailler un petit peu les centres. Ensuite je vais mettre Alban Lafont. Par contre les gars dans les joueurs qui travaillent. Adam Ounas il a déjà 80 de général. Donc c'est bon je peux mettre un petit peu Alban Lafont. Parce qu'on m'a dit qu'il pouvait monter jusqu'à 87 tout ça. Donc moi j'aimerais bien le voir à 87 mon gardien. Ensuite je vais sortir. Qu'est-ce que je peux sortir là-dedans? Hachim Mastour peut-être, qui a déjà un bon général, je vais entraîner Tolisso qui lui aussi peut énormément monter, on m'a dit. On va lui faire travailler la défense. On va lui faire travailler la défense, les gars, à Tolisso, c'est le seul endroit où il peut encore un petit peu progresser. Et les entraînements, ça donne ben, des notes moyennes, voilà, des B et des C. Du coup, les gars, voilà, donc les entraînements sont faits. Je vais aller préparer la composition pour le match face à Paris. Et on se retrouve dès que je l'ai fini. Les gars, en fait, j'étais en train de me diriger donc, vers le match face à Paris, puis j'ai reçu un mail donc, de Corentin Tolisso qui aimerait avoir donc, une revalorisation de son contrat. Donc évidemment, les gars, je vais lui faire parce qu'il la mérite. Il la mérite, les gars, cette revalorisation. Juste un petit coup d'œil, les gars. Regardez à quel point cette équipe est jolie. Osez me dire, les gars, que j'ai pas une grosse équipe.
Osez me le dire. Ça me ferait plaisir aussi, les gars, franchement, que vous me dites ce que vous pensez de mon projet avec l'OM depuis le début. Pour ceux qui sont là, dites-moi vraiment ce que vous pensez, ça me fait plaisir. Et du coup, voilà. Les contrats sont ici. On va aller donc augmenter celui de Tolisso. Oh putain, par contre, faudra que j'en prolonge certains. Sakai, je sais pas si je le prolongerai. Rodriguez non plus. Yaya Touré non plus. Enfin bref, on aura le temps de voir tout ça. Du coup, le petit Cabella, il est là. Alors, on va lui mettre donc 70 000. Voilà, j'espère qu'on peut les mettre. Ah non, faut que je change le budget. Faut que je change le budget, faut que je mette. Voilà, faut que j'aille donc dans transfert, donc dans bureau, dans finance. Et donc, le budget salaire, je le fasse passer en budget. Enfin, le budget transfert en budget salaire plutôt. Voilà, comme ça, il y aura de quoi lui mettre un joli salaire au petit Cabella. Voilà, donc on va aller là, on va donc chercher Cabella qui est ici. Et voilà, donc on va lui mettre 2 ans. On va lui mettre donc 75 000, comme ça il sera content. Et titulaire indiscutable. Même s'il commence pas tous les matchs, il en commence certains. Puis dans quasi tous les matchs, il rentre faire la différence. Donc évidemment que on peut le considérer comme un titulaire indiscutable. On va faire les entraînements. Aussi, voilà, les gars, donc je fais les entraînements. Il n'y a pas Alban Lafont, c'est vrai qu'il est du côté de la sélection nationale. Du coup, ben on va faire travailler le petit Didion. Voilà, on va voir de quoi il est capable. Enfin, de quoi il est capable, on le sait, mais je veux dire, on va un petit peu l'augmenter. Voilà, donc quand l'un n'est pas là, c'est l'autre gardien qui travaille. Maxime Lopez qui prend en plus en vista, qui commence à être intéressant, le petit Maxime Lopez. Hein. Franchement, pour l'équipe 2, il peut être très bon. Et du coup, on n'a toujours pas de réponse de Corentin Tolisso. Ni de Cabella. Pourquoi je suis con? Les gars, je suis idiot ou quoi? J'ai prolongé Cabella alors que c'était Tolisso qui voulait. Putain, mais je suis bête! Oh, des fois, j'ai pas de cerveau, les gars, c'est impressionnant. Bon, il a refusé le contrat, heureusement, comme ça, il me tue pas tous mes sous. Mais franchement, c'est bête, quoi, ce que j'ai fait. On va lui mettre 2 ans, lui aussi, 70 000, voilà. C'est l'air indiscutable. Mais franchement, les gars, je sais pas ce qui m'a pris, J'ai totalement confondu Cabella et Tolisso, je sais pas pourquoi. En plus, Cabella, qui était tranquille, qui d'un coup dit qu'il ne prolongera pas, qu'il partira même après son contrat. Bon, j'espère que ça influencera pas ses performances, ça me rassurerait. Du coup, voilà, les gars, on arrive face à Paris. Donc, pour le Classico, ça peut être vraiment très important de gagner, parce que Paris, c'est un concurrent direct au titre. Du coup, les gars, on va aller jouer ce match. On se retrouve directement pour les meilleurs moments. Nous voilà donc les amis au Stade Vélodrome tout simplement pour accueillir le Paris Saint-Germain. Très content, voilà les gars, d'accueillir cette équipe. Évidemment, ça, à chaque fois c'est un plaisir, un match très attendu. J'ai de nouveau donc titularisé Adrien Silva. Voilà, donc c'est la même équipe que face à Caen. Voilà, avec Adrien Silva devant. Donc j'estime qu'il mérite d'avoir sa chance puisqu'il a marqué au dernier match, presque tous les matchs qu'il a joué. Du coup, voilà les gars, on va vraiment essayer de faire un résultat face à Paris. Je pense que c'est un match assez crucial pour le titre. Vraiment, faut penser à quelque chose aussi, c'est les empêcher de marquer en début de match, parce qu'on sait que Paris, ils aiment beaucoup marquer en début de match à Marseille. Donc voilà, faut vraiment les tenir. Allez, Shaqiri, qui a bien vu Silva. C'est d'ailleurs Silva qui a très bien retrouvé Shaqiri derrière. Shaqiri face à Marquinhos, Shaqiri qui le contourne bien. Shaqiri toujours. Shaqiri, le Suisse qui s'avance. Et putain, j'aurais dû faire la passe avant ou centrer, je ne sais pas. Et derrière, putain, Tolisso qui a raté son interception. Attention, Aubameyang qui a bien. Non, je pensais que Benatia l'avait eu, mais non. Allez, attention. Attention les gars, parce que vraiment ce début de match, il est assez intensif. Et heureusement. Heureusement que Guerrero était présent. Derrière, voilà, Depay. Depay qui. Oh non, putain, dommage. Allez, attention à Reze. Reze qui s'est bien fait prendre par Isco et Manquillo. Malheureusement, il y a une petite faute des Marseillais. En même temps, les gars, je vous cache pas que quand c'est Paris, j'aime bien mettre un petit peu des coups de genou. Voilà, parce que c'est le classico. Il faut mettre de l'intensité. Allez, attention, attention. Putain, la tête du défenseur, je sais pas qui c'est. Bon, c'est Kirchhoff. Je crois que c'est un joueur allemand. Voilà, sa tête a failli nous faire prendre un but. Heureusement qu'il l'a pas cadré. Ah, mais carton jaune quand même, c'est pas mérité. Enfin, je pense pas que ce soit mérité pour Mehdi Benatia. On va revoir la faute, je pense. Voilà, on voit notre capitaine. Ouais, c'est vrai qu'il est très en retard. C'est vrai qu'il est très en retard, mais bon, les gars, c'est le classico, c'est comme ça. Il faut faire des fautes, il faut mettre des coups. Allez, attention, Aubameyang. Oh non. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, les gars, que l'arbitre siffle et que Benatia se prenne un deuxième jaune. Allez, Tolisso, te fais pas bouger. Te fais pas bouger. Voilà, garde le ballon, tu sais le faire.
Tu sais le faire. En plus, là-bas, il y a du monde. Il y a Shaqiri qui a bien été trouvé. Allez, Shaqiri, il la perd pas non plus. Voilà, Tolisso. Tolisso qui a bien vu. Isco qui a bien vu lui Depay. Allez, Depay. Depay, les gars, qui prend la vitesse face à Sabali. Depay encore, Depay toujours. Depay qui a passé Sabali. Depay le centre. Il y a André Silva de la tête et non, la barre. La barre, les gars, pour le Portugais. C'est dommage, les gars, parce que franchement, là, il aurait vraiment pu faire la différence. Allez, André Silva. André Silva, ouais. On va peut-être arrêter de forcer, les gars. On va reprendre nos esprits. Et franchement, on aurait peut-être pu marquer un but. Voilà, les gars, c'est la mi-temps, comme vous le voyez. Donc, on a déjà pris deux cartons jaunes. Hein. C'est vrai que c'est un match assez intense. Pour l'instant, on les tient bien. Franchement, les gars, tout le monde fait un bon match. Je suis assez content. Honnêtement, je joue beaucoup mieux avec André Silva devant qu'avec Batshuayi. Donc, voilà. Pour l'instant, on va rester avec ce dispositif, les gars. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, Reze. Reze sur son côté, les gars. On sait qu'il peut être dangereux. Attention, il y a Shaqiri qui défend. Allez, Shaqiri. Mets un petit coup de physique à Reze. Voilà. Putain, on a du mal. Hein. On a quand même du mal, les gars, parfois sur les phases offensives. Allez, les gars. Voilà. Bien joué, Shaqiri. Shaqiri, les gars, qui a fait une splendide récupération. Allez, mais bouge-le, le petit Verratti. Putain. Allez, Shaqiri, une nouvelle fois. Shaqiri encore. Shaqiri, qu'est-ce qui se passe? D'accord, les gars. Kurzawa qui a pris une petite béquille par Shaqiri. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même eu la faute de Shaqiri. Et Verratti, voilà, qui pour une fois est fair play, nous rend le ballon. Attention à Aubameyang, attention et à Serbi, les gars, heureusement, qui a fait un très joli tacle. Qui a blessé Aubameyang, pardon, les gars, donc je suis désolé. Hein. Paris, voilà, je vous blesse Kurzawa et Aubameyang, mais voilà. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est le football. Et derrière, Manquillo qui garde le ballon. En plus, allez, Ozyakoub. Ozyakoub qui a bien joué vers Silva, malheureusement, il n'a pas réussi à garder le ballon. Allez, attention à Reze. Reze qui arrive seul face au but. Reze qui a passé. Non, non. Il avait passé à Serbi, mais il n'a pas passé Benatia, les gars. Allez, Isco. Oh, Isco qui a bien vu Silva. Silva, voilà, qui va se présenter face à Areola. Allez, André Silva. André Silva. André Silva qui revient. André Silva qui enroule. Et le but, voilà, de André Silva. But du Portugais qui nous offre pour l'instant la victoire, les gars. Ça fait déjà 2 buts en 2 matchs, les gars, pour lui dans cet épisode. Donc, je suis désolé. Je suis désolé, les gars, s'il y avait des fans de Batshuayi. Mais pour l'instant, les gars, je vous jure qu'André Silva, il va pour l'instant rester en attaque, je pense. Il y a de fortes chances qu'il dispute le prochain match aussi, si évidemment il n'est pas fatigué. Mais en tout cas, les gars, pour l'instant, il nous donne la victoire. Et franchement, ça fait super plaisir. Juste, les amis, comme vous le voyez, on a pas mal de cartons jaunes et de fatigue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer Yaya Touré. Voilà, la place d'Ozyakoub qui a pris un jaune. Et ainsi que Cabella, à la place de Isco, voilà, qui est un petit peu fatigué dans ce match. Comme ça, voilà, ça permet qu'il se repose un petit peu et qu'il soit en forme pour le prochain match. Allez, Cabella. Cabella pour un de ses premiers ballons. Cabella, Cabella. Allez, c'est peut-être pas fini. Putain, on a raté la passe, quoi. C'est chiant. C'est chiant, on aurait peut-être pu mettre un deuxième but. Franchement, parce qu'on n'est pas à l'abri, les gars. Vous savez que Paris, ça peut être très dangereux. On voit quand même qu'ils savent garder le ballon. Donc attention, les gars, il faut vraiment essayer de mettre un deuxième but. Sinon, on risque de le payer cash. Il y a Cavani, voilà, qui a été rentré à la place d'Aubameyang. Par contre, Benatia qui a fait une superbe sortie. Et voilà, il a bien trouvé Cabella en plus. Allez, Cabella, lui qui trouve bien Touré. Touré qui trouve. Oh non, putain, je pensais qu'il allait trouver Silva. Il y a quand même Tolisso. Tolisso vers Silva. Silva, le petit ballon et le but. But d'André Silva, voilà, le doublé pour le Portugais. Maintenant, les gars, osez me dire qu'André Silva n'a pas sa place. Osez me dire qu'André Silva n'a pas sa place. Pour moi, les gars, il l'a amplement. Il est en train vraiment de faire ses preuves. D'ailleurs, ça se voit vu le moulon qu'il y a sur lui, les gars. Donc, franchement, ça fait plaisir. Les gars, donc je vais quand même faire un petit changement pour la fin de match. Il reste que quelques minutes. Je vais faire sortir du coup. Je sais pas, Guerrero, non Benatia, Benatia les gars, j'ai pas envie de perdre un joueur. Je suis rentré Hernandez, un petit peu, voilà les gars, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour la fin de match. En tout cas, encore une fois, les gars, André Silva qui est décisif, et franchement, ça fait super plaisir. Et André Silva encore, André Silva toujours, André Silva qui a bien écarté Depay, allez Depay qui arrive face au but, Depay face à Silva, non, plutôt avec Silva, allez André Silva encore, André Silva, l'enroulé de Silva qui malheureusement est passé juste à côté du but. Du coup, voilà les gars, fin du match. On se quitte, enfin on se quitte, on finit le match plutôt parce qu'évidemment l'épisode n'est pas fini. Face à une victoire, enfin face au PSG plutôt pour une victoire. Honnêtement, les gars, le PSG a montré des bonnes choses au milieu de terrain, ils ont eu pas mal d'occasions. Après, voilà, on a su être réaliste. Honnêtement, le PSG a beaucoup plus eu le ballon, mais nous on a quand même su se procurer pas mal d'occasions. Je suis vraiment fier de mon équipe, voilà, et surtout d'André Silva qui a réalisé encore une fois un énorme match, les gars, franchement, je suis vraiment super fier de lui. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais faire une petite pause, à moins que j'ai des mails. Voilà, j'ai des mails, donc évidemment, je vais lire les mails. Je vais lire le mail, les gars, je vais faire les entraînements, et on se retrouve dès que j'ai fait ça, et pour le match face au Celtic. À de suite, les gars. Donc, les gars, le mail voilà, que je vous avais dit que j'allais lire, tout simplement, c'est Adam Ounas qui n'est pas très content, voilà, du fait qu'il ne joue pas. Du coup, je pense à le mettre titulaire,
au prochain match peut-être, hein, mais évidemment c'est pas sûr, on verra bien. Soit je le ferai rentrer, soit il jouera le prochain match, voilà, donc c'est face au Celtic. Donc pour le premier match des phases de poule d'Europa League. Donc au passage les gars on pourra voir le groupe. Donc par contre les gars ce qui est pas mal c'est que Tolisso a accepté. Voilà, donc Cabella a refusé mais Tolisso a accepté. Et honnêtement les gars je vous cache pas que Tolisso dans l'équipe est beaucoup plus important que Cabella, même si Cabella est un très bon remplaçant. Tolisso, je pense que vous le savez, bah lui c'est un titulaire. Et voilà, donc les gars, il a tout simplement accepté. J'ai suivi de votre proposition de contrat avec mon agent. Voilà, donc Corentin Tolisso est très content, donc évidemment moi aussi. Du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder tout simplement la phase de poule, oui. Le groupe dans lequel nous sommes pour l'Europa League. Donc il y a tout simplement l'Ajax, le Celtic et le SV Mattersburg. Donc évidemment l'Ajax et le Celtic, je connais, mais le quatrième club, je ne connais pas. Du coup les gars, pour le match face au Celtic, je pense que je vais quand même mettre l'équipe 1, hein. Voilà, elle est en forme, donc pas la peine que je mette l'équipe bis. Du coup, qui est-ce que je mets en attaque? Batshuayi, André Silva, je sais pas. Je sais pas les gars, je vais laisser une mi-temps à Batshuayi, lui laisser le temps de s'exprimer. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas les gars si c'est juste vis-à-vis d'André Silva. Il mérite de commencer, hein. André Silva, les gars, il mérite de commencer. D'ailleurs, même, il va commencer, puisqu'il le mérite, tout simplement. Il le mérite, les gars. Ça fait deux matchs qu'il attend. Un doublé contre le PSG, un but contre Caen. Il mérite. Il mérite de commencer, les gars, l'Europa League. Donc, évidemment, il va la commencer, tout simplement. Voilà, les gars. Donc, on va partir avec cette équipe pour le match face au Celtic. J'ai peut-être envie de faire tourner. Peut-être, les gars, je vais voir tout simplement dans le jouer match. Putain, par contre, les gars, quand, à chaque fois que je suis en Europa League, je sais pas pourquoi le menu, il est long, en fait. Le menu, il met tout le temps un petit peu plus de temps à charger, je sais pas. Voilà. Vous voyez ce petit moment-là, ce petit temps de chargement, il est beaucoup plus long quand je fais les matchs d'Europa League, mais c'est pas l'important. C'est pas l'important, les gars. On a un match à jouer. C'est pour ça qu'il faudrait justement que ça aille un petit peu plus vite. Putain, c'est long. On dirait un dégagement de Rolando, quoi. Enfin bref, les gars, je vais faire la compo. Je vais sûrement mettre Sparania en défense. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu du monde, je vais même mettre Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, les gars, plutôt de Sparania, j'ai bien envie de le voir à l'œuvre, le petit Hernandez. On va voir ce qu'il donne, les gars, on va partir avec cette équipe. Et du coup, on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match. Voilà, les amis, donc comme vous voyez, nous sommes simplement au Stade Vélodrome pour accueillir le Celtic pour le premier match d'EuroLeague. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a Théo Hernandez qui est titulaire, parce que voilà. Guerrero est très bon, c'est pas le problème, j'avais juste envie un petit peu de faire tourner, voilà, de voir un petit peu Lucas Hernandez à l'œuvre. Parce qu'il avait joué un petit peu face à Paris, du coup voilà, je me suis dit autant le faire jouer encore un petit peu, voir de quoi il est capable. Allez, attention à Sinclair. Sinclair, les gars, qui est face à Shaqiri et à Manquillo. Sinclair qui a trouvé un point d'appui, donc attention. Allez, attention à Brown et lui aussi. Putain, franchement, les gars, le Celtic qui commence directement à jouer vers nous. Allez, Tolisso. Allez, les gars, essayez de vous battre. Putain, j'ai plus de batterie dans la manette, par contre, j'en ai encore un petit peu. Allez, Shaqiri. 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 Face, non, plutôt avec Isco. Allez, Isco. Isco qui file au but. Isco encore. Isco, la frappe d'Isco, malheureusement, elle a été contrée, les gars, c'est dommage. Donc, nous, de notre côté, on va essayer de bien frapper le corner. Allez, il y a du monde. Ouais, malheureusement, il n'y avait pas grand monde là où je l'ai frappé. Allez, Acerbi. Acerbi. Quoi, il y a faute? J'étais pas sûr, hein. Allez, Silva. Silva, ouais, putain, j'ai encore fait le dribble que je fais tout le temps. Faut vraiment que j'apprenne à faire un autre dribble, les gars, sinon je vais pas m'en sortir. Allez, Isco, mets la pression. Voilà. En plus, il gagne la touche, les gars, Isco, donc bien joué. Allez, Isco. Isco, une nouvelle fois, vers Théo Hernandez. Théo Hernandez. Oh non, putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, heureusement. Heureusement qu'on a vite récupéré le ballon. Puis derrière, je le perds encore, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, Théo Hernandez. Théo Hernandez, les gars, qui doit vite revenir. Allez, attention à pas se faire prendre. Attention. Attention, Tolisso, non, c'est Benatia. Et Benatia, voilà, qui a fait un superbe geste défensif. Bien joué à lui. En plus, il trouve bien Tolisso. Tolisso, lui, qui trouve bien Isco. Isco, il y a faute. Enfin, Isco, il était tenu par le maillot, les gars. Allez, Depay. Depay. Depay qui s'approche du but. Depay encore. Depay qui cherche une solution. Malheureusement, il n'est pas trop aidé. Allez, Depay. Depay qui a voulu rentrer. Putain, j'aurais dû faire la passe directement. J'ai encore le ballon. Je m'estime heureux d'avoir encore le ballon. Allez, voilà, j'écarte sur Tolisso. Tolisso vers Silva. La frappe de Silva, malheureusement, elle est contrée. Il y a faute. Bien sûr, il y a même pénalty. Il y a même pénalty, voilà, les gars. Donc, pour nous, l'occasion de prendre l'avantage. Donc, là, franchement, les gars, va vraiment falloir assurer. Sinon, on va être dans la merde. Allez, voilà, les gars. Le pénalty. Le pénalty, voilà, les gars. Donc, on va essayer de bien le frapper avec André Silva. Je vais le frapper en force là-bas. André Silva, et c'est dedans. C'est dedans, voilà les gars, magnifique penalty de la part du Portugais. Ça fait donc 4 buts. 4 buts, les gars, dans l'épisode pour André Silva.
Franchement, il n'y a rien à dire. Il fait un super rendement. Le penalty était vraiment bien tiré. Ça fait 1-0, les gars, du coup, pour nous. Et il va vraiment falloir, les gars, soit conserver ce score, soit en mettre un autre. Mais les 3 points, ils sont vraiment impossibles. Impossible à perdre, les gars. On est obligé de gagner aujourd'hui. Et voilà, le Celtic qui encore une fois fait une attaque. Théo Hernandez, putain, magnifique dégagement. Un petit peu en retourné acrobatique. Malheureusement, il a fini sur les pieds d'un Écossais. Putain, il garde le ballon. Hein. Il garde le ballon. Voilà. Là, il l'a pas gardé au moins. Il a vu, il a bien vu les gars André Silva, il a bien vu Shaqiri. Allez, Shaqiri vers Isco. Qui c'est qui a le ballon là, putain? C'est André Silva. Allez, André Silva encore. André Silva toujours. André Silva, allez, il a bien vu Shaqiri. Shaqiri qui a bien vu Oziakoup vers Tolisso. La frappe de Tolisso, malheureusement, elle est contrée. Voilà. Le Celtic qui réussit à se dégager. Allez, attention, Hernandez qui s'est fait passer. Hernandez, et heureusement qu'Acerbi derrière lui, il a été un petit peu plus costaud quand même. Allez, Tolisso, malheureusement, qui n'a pas trouvé de partenaire. Et Shaqiri qui est arrivé un petit peu trop tard. Et Silva, encore une fois le portugais. La frappe de Silva, il a tapé la barre, les gars. Mais honnêtement, il s'était procuré une magnifique occasion. Bien joué à lui. Et derrière, voilà, il nous donne en plus l'opportunité d'avoir la touche. Allez, Adamounas pour son premier ballon. Adamounas qui attend un petit peu un appel. Il n'a pas eu l'appel de Théo Hernandez, malheureusement. Allez, Adamounas encore. Adamounas qui dribble un petit peu. Adamounas, c'est dommage. Allez, André Silva encore une fois. André Silva qui a été bousculé, l'arbitre a rien dit. Le centre, il y a Isco, malheureusement le gardien l'a touché. Adamounas, bien sûr, pénalty. Adamounas, les gars, qui s'est vraiment fait bousculer. Du coup, je vais faire tirer. Je sais pas. Peut-être Adamounas pour qu'il se venge. Ou sinon, les gars, je ferai tirer le premier tireur. Voilà, c'est Oziakoup. Allez, je vais tenter la petite Panenka ou non. Non, j'avoue, je voulais faire une Panenka, les gars, mais au dernier moment, voilà, j'ai appuyé sur rond, simplement, sans faire de gris-gris. Ça fait 2-0. Voilà, donc penalty d'Oziakoup qui a magnifiquement été transformé. Pour l'instant, on gagne. Je pense pas que le Celtic reviendra. On a les 3 points et c'est le plus important. Attention, et putain, le but. But du Celtic, voilà les gars, dans les dernières minutes. Je ne m'y attendais pas. Oh, ça c'est le petit Moussa Dembélé, je crois. Le petit Moussa Dembélé, les gars, qui est assez courtisé dans la vraie vie. Enfin bref, on a pris un but. Donc voilà, les gars, on va évidemment essayer de ne pas en prendre un deuxième, parce que vraiment, ce serait vraiment un vol, parce qu'honnêtement, on a beaucoup mérité. Bon, évidemment, on va quand même essayer de jouer vers l'avant avec Isco. Isco qui se fait prendre le ballon. Non, c'est Oziakoup qui a le ballon. Allez, Touré. La frappe de Yaya Touré qui a été contrée par André Silva, c'est dommage. Attention! Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, les gars, quand j'ai vu Allemand Lafont sortir. Oh, Silva. Silva qui a peut-être un dernier ballon. Non, ce sera la fin. Ce sera la fin, voilà, les gars, donc fin du match. Du coup, ça fait 2-1. Ça fait 2-1, voilà, les gars. Grâce à un but d'André Silva et d'Oziakoup. Donc, évidemment, les gars, on a quand même assez dominé le Celtic. Même s'il y a quand même quelques comportements du match où ils ont été dangereux. En tout cas, voilà, les gars, donc on a fait les 3 matchs. Je suis désolé, j'en ai pas fait 5. Je le referai bientôt, les 5 matchs. Mais là, vraiment, les gars, je peux pas. Du coup, dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous pensez d'André Silva, son intégration, ce que je dois faire avec lui et ce que je dois faire avec Michy Batshuayi. Surtout, les gars, ça m'intéresse de le savoir. Donc, conférence de presse, on va un petit peu tacler voilà, le manager de Montpellier. Je sais pas, j'avais envie. Du coup, les gars, dites-moi dans les commentaires, évidemment, ce que vous avez pensé de l'épisode et ce que vous avez pensé, surtout, de Michy Batshuayi. En tout cas, c'était la game. N'hésitez pas, évidemment, à me suivre sur Snapchat. Je vous mets encore une fois la photo, les gars, pour discuter un petit peu, voilà, tout ça. On se retrouve très vite pour la suite. Et voilà, les gars, prenez soin de vous.